C'est ignoble. Ni vu ni connu. Ils sortent un peu. Tiens mon fils. Merci. Regarde-toi bien. C'est très dégueulasse. Salut internet, c'est Kamov. Avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Boy Pro. C'est le pronostiqueur qui fait en ce moment fureur sur les réseaux. Il m'a fait gagner pas mal d'argent à moi et il peut vous faire gagner pas mal d'argent à vous qui regardez cette vidéo. Si vous croyez pas en ses talents et si vous voulez voir vraiment ce qu'il vaut, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat. C'est simple, rapide et efficace. Le mec qui correspond à la description sur Facebook, c'est lui, hein. Enfin, c'est sûr, ouais, c'est certain. C'est certain que c'est lui. Donc il est là, nous on va y aller, vous vous restez avec le caméraman, d'accord ? C'est bon. Et une fois que si ça dégénère, vous venez de toute façon, d'accord ? De toute façon, je vous appelle s'il y a un problème. C'est bon, okay, restez. Comme d'hab, t'inquiète. C'est bon ? On vas-y, y va ? Vas-y. Allez. Bonjour. Dans la mousse. On peut s'asseoir ici, avec toi ? Ça te dérange pas ? Vas-y, ouais. Oh putain. T'as du feu ? T'as du feu ? Sur toi ? Ouais, tiens. Pourquoi tu le regardes comme ça, qu'est-ce que t'as fait? Tu le connais ce monsieur? Je vais te brûler, frère. Ça va? Ouais, t'attends quoi là? Un collègue ou deux? T'attends pas le petit Nathan par exemple? Par hasard, hein? Le petit Nathan. C'est à moi que tu parlais sur Facebook. C'est bien toi, Mousse. Bah vas-y, sors ton téléphone, mon de la conversation, ouais, on va pas perdre de temps, c'est en train de me gonfler là. J'ai en train de m'énerver, les gens comme toi, je peux pas, moi, j'arrive pas. Tu es pas d'ici, frérot, tu es de Bougainville, on est à Château-Gombert ici, qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Ça, c'est pas toi, ça. Montre, vas-y. C'est toi. La conversation. Attends, là. Ouais, la conversation là. Tu parles. Tu sais à qui tu parlais? Tu parlais à moi, tu parlais. C'est pas moi, ça. Bah, Nathan, oui, c'est toi, frère. Tu attends qui ici? Je te parle, tu attends qui ici, là, là, maintenant? Personne en particulier. Il y a deux minutes, tu nous dis que tu attends des collègues, là, c'est personne en particulier. Tu sais qui c'est à qui tu parlais? Son fils. Ah ouais? Ah, ah ouais. Tu le savais que tu parlais à mon fils, parce que tu lui as dit Nathan, je sais pas. En fait, ouais, maintenant je me souviens, je parlais à Nathan. Ouais. Tu sais quel âge là, Nathan? Quel âge là? Il a 17 ans. 17 ans? Tu l'as connu où? Sur Facebook. D'accord, et tu parles à un petit de 9 ans sur Facebook, toi? Comment ça, 9 ans? Il a marqué son âge. Sur son Facebook, il a marqué. Il a sa tête, gros. Ça se voit qu'il a sa tête. Arrête de prendre les gens pour des cons. Non, même pas. Moi, je crois qu'il avait 17 ans. Et pourquoi 17 ans, c'est. Qu'est-ce que tu fais à quel âge, toi? Moi, j'ai 20. T'as 20 ans, toi? Tu me prends pour un con? T'as pas 20 ans, frère. T'as quel âge? J'ai 20. Gros, me force pas à prendre tes affaires, s'il te plaît, à regarder la carte d'identité et tout. Donc maintenant, t'as quel âge? 29. 29? Et tu parlais un petit de 9 ans? C'est normal? Je crois qu'il avait que 17. Il est du même bord que moi, donc. Arrête de mentir. Et tu es en train de me parler à moi, tu es une fou ce que tu lui dis, tu as pété les plombs. Qu'est-ce qu'il a dit? Range ta chambre et moi je te crie. Je te crie dessus, on va bien s'amuser. Fais ci, fais ça, des trucs de fou lui a dit. Il a envoyé des photos aussi? Ouais, pour que ça. Tu as envoyé des photos? Tu as envoyé deux photos, tu es en caleçon. Tu faisais quoi ici? Tu as donné rendez-vous à Nathan, oui ou non? Ouais. Nathan, tu attendais Nathan là? Ouais. Nathan il viendra pas, c'est nous qu'on est venu à sa place. Moi je suis. Maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi? Vas-y, on te fait manger le banc, on fait quoi? Quoi? J'avais mal. Oh mais je sais. Putain, c'est un truc de fou. Tu n'as rien fait de mal, tu dis au petit que tu veux le rencontrer. J'ai déjà touché le petit. Mais si, viens. Non, je n'ai même pas touché le petit. Mais si, mais arrête, tu ne me dis pas que tu... Pas tu... Arrête, s'il te plaît, tu as parlé avec lui sur Nathan. Tu vas faire un jeu de rôle avec lui, un jeu de rôle. Non, le rôle de psychopathe, pour rigoler, c'est du rôle. Avec un petit neuf. Quand tu fais un jeu de rôle, gros. Je savais pas qu'il y avait un c'est du roleplay. C'est quoi? Du roleplay. Gros, je vais Assis-toi, on est dans un parc d'enfants. T'attendais un petit de 9 ans.
D'accord ? Tu lui as envoyé des photos où tu es à poil dessus. On est d'accord ? On est à poil, j'étais en caleçon. En caleçon, un petit de 9 ans, tu envoies toi ? Il n'y a pas un problème là ? Tu, c'est normal, tu réalises ? C'est normal pour toi ? Est-ce que c'est normal ? Oui ou non ? Tu ne cherches pas à comprendre. S'il a 9 ans, non, c'est pas normal. Ah, et pourquoi tu l'as fait alors ? C'est pas normal. Je savais pas qu'il avait 9 ans. Tu savais qu'il avait 9 ans, putain, il y a sa photo. Putain, c'est un truc de fou, ne me dis pas que. C'est lui qui a donné rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous dans un parc d'enfants. Eh oui. Les enfants en fait, ça t'excite les enfants. Non, même pas. En fait, c'est quoi ? C'est quoi le problème ? C'est pourquoi tu as donné rendez-vous à Nathan ici ? Non, je sais pas, je me trouvais mignon, on parlait, c'était ton. Tu le trouvais mignon ? Ouais, mignon. Ah, tu es pédophile, c'est bien ce qu'on dit. Bah oui, bien sûr. Moi, je suis des frérots aussi. Tu savais. Mais comment, il a 9 ans ? Tu comptes attendre quoi ? Qu'il ait 18 ans ? Ouais, relation discrète, relation parfaite. On a un ok. Voilà, ça crie. Arrête, arrête, frérot, il va vraiment te mettre la main dessus. Arrête, arrête, il va te mettre la main dessus. Arrête, arrête, arrête. Tu cherches quoi ? Arrête. Mon relation sérieuse. Ah, je on va appeler les Condé, là, on va appeler les flics, tu le sais. Cool. Là, on va appeler les flics. Et je vais leur montrer tout, tout ce que tu m'as dit. Non, mais attendez, attendez. Non, non, non. Attends, mais attends. Putain, tu vas nulle part là. Tu vas nulle part. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, là, vous restez là, tu restes là, Michel. C'est bon, vous êtes pas là, mon c'est comme ça, tu as pété les plaies. Je savais pas. Tu savais pas quoi. C'est bon, bah, désolé, voilà, désolé, c'est bon. Mais y'a pas de désolé. Ah, désolé, c'est bon, Fafa, ça y est. Désolé, bonne journée. Au revoir, désolé, il a dit. Ah, allez, viens, viens, papa. Non, non, non. Non, tu vas pas juste là-bas, tu restes là. Non, non, assis-toi là. On va appeler les flics, frère, on va appeler les flics. Mais quel flic, tu les appelles pour pas un, c'est bon. Pourquoi je vais les appeler pour pas un? Tu vas aller en prison pendant 20 ans, fou, Gauthier. Assis-toi là, jette-toi par terre. Lève-toi, lève-toi. Assis-toi là-bas. Là, t'as morcelé. Oh, j'ai appelé les flics, arrêtez de morceler. Non, appelle-les, franchement, appelle-les. Appelle-les pour. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vas-y, va appeler les Schmitt. Non, c'est bon, gros, ben, s'il te plaît. Non, c'est bon. T'es un pédophile, frère, j'ai tout. Ouais, quand même pas. T'es pas un pédophile. Non. Avoue que t'es un pédophile et je les appelle pas. T'aimes les enfants. Est-ce que t'es attiré par les enfants ? Pas spécialement, mais. Non, oui ou non ? Oui ou non ? Tu vois ? Bah, ça reste des mains, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas, me touche pas. Allez, stop. Me touche pas. Assis-toi. Non, c'est bon. Assis-toi. J'ai fou, toi, la vie de ma mère. Les gars, s'il vous plaît. C'est bon. Les gars ! Viens, vas-y, vas-y. Vas-y, assieds-toi sur le banc, s'il te plaît. Assieds-toi sur le banc, tu partiras pas. On est 50, tu pars pas. Mets-toi sur le banc. Mets-toi sur le banc. Va sur le banc, toi. Arrête de me pousser. Ah, frérot, tu veux quoi ? Tu veux qu'on t'arrache la tête ou quoi ? Va sur le banc. Va sur le banc, je t'ai dit. Assieds-toi. Mais te demande t'asseoir. Te demande des trucs de fou, quoi. Va t'asseoir. Je t'explique. Là, tu es filmé, frère. Là, on fait des vidéos sur YouTube. On a 600 000 personnes qui nous suivent, d'accord ? Là, tu es filmé. Ta tête, elle va être affichée partout, mon pote. Partout. Et en plus, on va appeler les flics. Fafa, appelle la police. La police, on vient chercher. Non, 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 c'est. Eh, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube. Vous les gens, ils jouent des gens comme toi, à chaque fois on les laisse. Pour moi, il n'y a pas de on le laisse, on le laisse tranquille, on lui donne une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. On va appeler les flics, ils vont venir chercher maintenant. Donc là, il vient d'avouer qu'il est. Ça te va ? Non. En gros, c'est. Ah, c'est filmé, on est au parc d'enfants de Château Gombert. Ok, merci. Allez, à de suite, merci. Ils arrivent, hein ? Ils arrivent. Regarde bien. Tous bien. Ils arrivent, ils arrivent. Reste là. Vous laissez pas ici. Les gars, en gros, on est 5 contre toi. Arrête-toi. Je t'explique. Dans tous les cas, même si tu t'en vas, on a les images. Mais on te va... Déjà, de une, on va pas te laisser partir. Et même si tu arriveras à partir, on a les images. Donc tu peux aller n'importe où, frérot. Demain, les flics, même si tu pars, ils sont chez toi. Donc là, tu vas attendre sagement avec nous parce qu'on te laissera pas partir. Et les flics, ils vont venir te récupérer. Ça te va ? Non. Non ? Bah, t'as pas le choix. Et je vais porter plainte, mon pote. Et tout, je vais tout leur montrer sur Messenger. Et le pire, c'est que tu as fait des vocaux, mongolien. On reconnaît bien ta voix. Viens avec moi, on va discuter. Mais... Les gars, restez là 2 minutes. On est d'accord que c'est pas normal ce que tu fais. On est d'accord ou pas ? Mmh. Toi et moi, entre toi et moi, il n'y a personne, il n'y a que nous deux. Avec la caméra, mais on s'en fout. C'est quoi la caméra ? Vas-y, c'est pas grave, éteins la caméra, c'est pas grave. C'est bon, on est entre toi et moi. Tu aimes les enfants, on est d'accord ? Tu te rends compte que c'est pas normal d'aimer les enfants ? Tu es au courant quand même ? Donc là, qu'est-ce qui pourrait me convaincre de te laisser repartir ? Je sais pas, peut-être, je sais pas, par l'argent, peut-être une promesse ou je sais pas. Une promesse ? S'il te plaît, vraiment, je suis pas quelqu'un mauvais dans le fond. Non mais attends, Poto, tu es dangereux, on peut pas te laisser comme ça. Je suis pas dangereux. C'est impossible, eh oui, tu es dangereux. On peut pas te laisser comme ça. Tu réalises ou pas quand même ? Moi j'ai l'impression que les gens comme toi, ils comprennent pas la gravité. De leur acte. C'est ça, regarde, petit regard, moi aussi j'ai eu des trucs et pourtant. C'est quoi, comment c'est ça, j'ai eu des trucs ? Comment ça, j'ai eu des trucs ? Et à mon oncle. Quoi, ton oncle ? Mon oncle faisait faire des trucs et pourtant, ça va. Ok, bon, écoute, on va appeler les flics, tu vas t'arranger avec eux, frérot. Moi je rentre pas dans les détails, je suis pas truc social ou quoi que ce soit. Non. Allez, vas-y, mais je ferme pas les yeux sur les trucs comme ça, impossible. Non, mais. Voilà, ah, ils sont là. Montre, t'avais. Les gars, restez avec lui ! Ils sont où ? Eh gros, j'ai vu des gyros passer, bien sûr que c'est eux.
Ok, ils sont là. Fafa, ils sont là. Là, là, là. C'est bon, venez, on va là-bas, venez. Pourquoi? J'ai l'habitude de faire ça ou quoi? Ah, poste ton téléphone. Ah, je devrais appeler mon avocat, non? T'as pas d'avocat. Oh. Crassi, tu verras avec les flics, C'est bon, ils sont là. Eh, wesh. Allez, c'est bon, assieds-toi, il y a les flics qui arrivent. On le passera à la police. Lâche-moi, ne me tue pas. Voilà, maintenant, tais-toi maintenant. Et là, il attendait. Bonsoir, monsieur. Il a donné rendez-vous à mon 19. Bonsoir. Non, voilà, c'est lui le. Son téléphone, son mademoiselle. Ouais, je sais pas qui ou je. Mais tu as montré la conversation ou pas? Ça pour l'instant. Déjà là il filme. Ouais. Faudra nous demander, faudra faire un foutage. Ouais, y'a pas de soucis, non, de toute façon y'a pas de soucis, ok. Là en gros là c'est ce qu'il lui dit là, tout son train et tout, un fou, un petit de 9 ans. Les photos montrent les photos frérot. Ouais, Non, c'est du fait qu'ils vont ramener ici, ils vont raquer et là, on va marquer, on va prendre le téléphone. Allez, c'est bien. A plus. Mais ils sont où? Non, mais ils sont pas les coups. Ciao! Voilà! Allez, adieu!